أعزائي التلاميذ، سعيد بلقائكم في هذه الحصة الجديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية. حصة اليوم إن شاء الله دائما في إطار الاستعداد للجهوي، غادي نخصوها لتصحيح ديال واحد الامتحان جهوي سابق. قبل ما نبدأ هذه الحصة، نبغي نوجه الشكر لجميع الإخوة الأساتذة والتلاميذ على الدعم ديالهم للقناة، ونبغي نقول لهم بأنه هذه القناة منكم وإليكم، خلقناها خصيصا لمساعدتكم ومد يد العون لكل من يحتاج المساعدة. إذا ما تبخلوش علينا بواحد التعليق زوين وديروا لايك وتفعلوا الجرس حتى تبقوا دائما على اطلاع بما ننشر. على بركة الله، إذا سي ليكزام ريجونال دو ساقية الحمراء 2017. بيان سور سي ان ايكزام كي كونسيرن لا بواط اميرفي. سي بيان ايسي كو دومور سيدي العرافي. Oui, c'est ici. N'ayez aucune crainte d'approcher, pèlerin que Dieu a envoyé chez nous. Je suis Al-Arafi, le pauvre aveugle. Je ne refuse jamais de recevoir les hôtes de Dieu. Alors, les hôtes de Dieu, nous entrâmes l'un derrière l'autre. Abandonnons nos babouches, alors les babouches ou le blari, dans le couloir. L'Aïcha, ponctuant chaque mot d'un profond soupir, déclara: nous sommes les hôtes de Dieu, ô notre maître, mais nous sommes aussi tes hôtes. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Et si vous êtes assoiffés, n'oubliez pas que les événements se passent ici en été. Nous avons de l'eau qui rafraîchit les gorges desséchées. Approchez et asseyez-vous. Mes yeux ne peuvent vous voir. Alors, mes yeux ne peuvent vous voir, mais mon cœur me dit que vous êtes des gens de bien. Il y a parmi vous un enfant. Il y a parmi vous un enfant. Mon oreille perçoit le bruit de ses pas sur la natte. La natte, il sert. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon, répondit ma mère. S'adressant à moi, elle ajouta: embrasse la main du shérif, mon fils, et demande-lui de te bénir. Bénir, yadalik. L'aveugle tendit la main droite dans l'espace et dit: Dieu te bénisse, mon fils, Dieu te bénisse, l'aidelik, l'aidelik. Alors, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Viens près de moi. Sa figure rayonnait de bonté. Il avait le visage long et maigre, couleur de pain brûlé. Les globes laiteux, laiteux, jetman, le lait, le hlib, idan hlibiyin, baydin, qui remplissait ses orbites, ne m'inspirait aucune frayeur. La frayeur, il y a la grande peur. Je m'avançai, je mis ma main dans la sienne, je posai mes lèvres sur ses doigts. Il me sourit et m'attira doucement sur ses genoux. Sa main passa légère sur mon visage, elle entata chaque volume et chaque creux. Elle s'arrêta sur mon front, glissa vers les oreilles, aboutit à la nuque. Pendant toute cette exploration, alors l'exploration, il y a la découverte, l'iktishev, il ne cessa de répéter: que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Il saisit un chapelet, alors le chapelet, ou à tsbir,
Donc, il saisit un chapelet qui se trouvait à portée de sa main et me le passa sept fois sur le dos. Tout en procédant à cette cérémonie, il récitait des versets du Coran, donc les versets du Coran, que je connaissais, mais je les savais imparfaitement. Imparfaitement, il n'y a pas très bien. Il s'arrêta enfin et me dit, tu dois savoir le verset du trône, ou ayat al-Kursi. Récite-le souvent, il te protégera contre toutes les mauvaises influences. Et on passe aux questions de l'étude de texte. Et la première question, c'est compléter, recouper, compléter le tableau suivant. Alors, dans ce tableau, il y a quatre colonnes. Il y a le nom de l'auteur, vous le connaissez très très bien, c'est Ahmed Sfaraoui. Vous avez le titre de l'œuvre, vous le connaissez, vous le savez très très bien. Maintenant, c'est La boîte à merveilles. Edna, le genre, c'est bien sûr le genre littéraire, c'est roman autobiographique. Et enfin, Edna, le siècle, c'est le 20e siècle. Sur la deuxième question, pour situer ce texte dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Qui est Sidi l'Arafi? Bien sûr, Sidi l'Arafi est un. Ouais. Donc, Sid Larafi est un voyant aveugle. Chouef Ama. Voilà, une petite information. Un voyant aveugle. Il a deux noms contraires. Haditensmiura, l'oxymore. Donc, un voyant aveugle. Juste Alors, pour la question B, pour quelle raison l'Ellaïcha et l'Ellaïzoubida sont-elles allées lui rendre visite? Bien sûr, vous le savez très très bien, l'Aïcha et l'Zoubida étaient abandonnées par leur mari, car les deux femmes étaient abandonnées par leur mari. La question 3, pourquoi Sidi Larafi ne peut pas voir ses hôtes? Ou elle n'a justifié. Elle est Sid Larafi, mais il Diallo, car il est aveugle. Donc, il ne pouvait pas les voir car il était aveugle. La justification, Adna, je suis Larafi, le pauvre aveugle. A dit la justification. Sur la question 4, quelle recommandation? Recommandation ou conseil, demande. Recommandation, c'est un conseil pratique. Quelle recommandation la mère du narrateur a-t-elle faite à son fils lors de la rencontre de Sidi Larafi? Bien sûr, elle lui a demandé d'embrasser la main du shérif. Getlibus l'idiel shérif, le roi Sidi Larafi. Alors, pour la question 5, quel relevé de ce passage une phrase qui montre que le narrateur n'était pas n'avait pas peur de Sid Larafi. Sid Mohamed n'avait pas peur de Sid Larafi. Quelle est la phrase qui le montre? Voici donc la phrase qui le montre. Les globes laiteux qui remplissaient ses orbites ne m'inspiraient aucune frayeur. Ne m'inspiraient aucune frayeur. Alors, pour la question 6, pour bénéficier d'une protection divine, Shnia bénéficiait, Yestef. La protection divine que demande Sid Larafi à Sid Mohamed. Alors, il lui a demandé, ou là, il lui demande de réciter souvent le verset du trône. Il lui demande de réciter souvent le verset du trône. Question 7. Relevez dans ce passage deux mots relevant du champ lexical religieux.
Ces mots sont Dieu, verset, chapelet. 8. Sa figure rayonnait de bonté. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cet énoncé? La figure de style de Jabzef, la boîte à merveille, rayonnait de. Et bien sûr, voilà, très très bien, vous l'avez trouvé, c'est l'hyperbole. Donc, c'est une hyperbole. B. Alors, B. Quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure de style? Elèche, si Mohamed Samuel aide la figure de style. Alors, dès que vous avez l'hyperbole, vous voulez amplifier la bonté de Sid Larafi. Vous voulez Sid Larafi et montrer l'admiration du narrateur pour cet homme. Où est l'effet recherché? Amplifier la bonté de Sid Larafi et montrer l'admiration du narrateur, l'ijab du narrateur pour cet homme. Monsieur, les questions de l'opinion, quelqu'un, à votre avis personnel, les deux femmes ont-elles raison de quitter leur foyer en l'absence et sans demande de permission de leur mari? Justifiez votre réponse. Wesh l'ayelet bjouj, andom l'haq, ibshi ou ikhojom d'dar, blel indil ezwaj djelon. Là, bien sûr qu'il me zèvdi les réponses. On a comme une réponse, et qu'il y a une réponse, prière de la laisser dans le commentaire. Alors, je vous garantis que je verrai vos réponses et je ferai des remarques, les remarques nécessaire. Alors, une réponse, à mon avis, les deux femmes, en raison de quitter leur foyer en l'absence et sans demande de permission de leur mari, car leur mari les ont abandonnés. À mon avis, les deux femmes, en raison de quitter leur foyer en l'absence et sans demande de permission de leur mari, car leur mari les ont abandonnés. دائما في لا كيسيون 9 و 10 راه تقريبا عندكم 75% ديال الجواب في السؤال تتكملوا عاد لا جيستيفيكاسيون. نمشيو لا كيسيون 10. سيدي محمد ا اكومباني لي دو اوت شي سيد العرفي ايتيل بينيفيك. الوغ بينيفيك هي مفيد. الوغ ايتيل بينيفيك بور ان انفون دو 6 ans d'assister à ce genre de visite. Justifiez votre point de vue. سيدي محمد مشى مع لالا زبيده عند السيد العرفي واش هاد الزياره مفيده بالنسبه ليه هو. فوالا لا ميم شوز عندنا هنا اون ريبونس بوسيبل و الى عندكم نتوما اون ريبونس نوبلي با دو لا ليسي جو لا فيري بيان سور. الو فوالا دونك لا ريبونس. Personnellement, je n'approuve pas le comportement de la mère car elle expose son fils à des dangers. شحال ديال العيالات داولادهم عند السحارات والشوافات وزقوا مرضوا ليهم. Donc personnellement, je n'approuve pas le comportement de la mère car elle expose son fils à des dangers. Et on termine par la production écrite. باش نعرفوا الموضوع شنو كان تعطى. Certaines personnes disent que l'absence du père fait naître dans l'esprit de l'enfant le goût de l'effort, du mérite et de la responsabilité. Partagez-vous cette opinion. Justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents. واحد الموضوع اللي رائع رائع هو ان الغياب ديال الاب تيكون غالبا عنده تاثير ايجابي على الاطفال تيولي عندهم لو غو دو ليفور تيولي تيبقاوش فيهم العجز دي ميريت تيقلبوا على الاستحقاق وعلى المسؤوليه تيبغيو يكونوا قد المسؤوليه. بارطاجي فو سيت اوبينيون جيستيفيي فوتر بوين دو فيو على ليد ارغومون بيرتينون. يعني الغياب ديال الاب ماشي دائما خايب بعض المرات يكون مفيد للزوجه وحتى للابناء. الى هنا انتهت حصتنا. شكرا على انتباهكم شكرا على وفائكم. ما تنساوش تهضروا على القناة مع الأصدقاء ديالكم. ما تنساوش تنعتوها للتلامذة.
اللي باغي يقرا وباغي يستافدوا، حنا دائما في خدمتكم من خلال الفيديوهات، من خلال اللايفات، ومن خلال الاتصالات المباشرة، سواء هنا في البلدة فين تنعيش أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.